Cuisine, épaule d'agneau boulangère. Pour 4 personnes. Temps de préparation, 30 minutes. Temps de cuisson, 45 minutes. Ingrédients. Une épaule d'agneau. 1 kg de petits pommes. De terre hachée ferme. 500 g d'oignons. 2 gousses d'ail. 2 tablettes de bouillon. Une feuille de laurier. 1 cuillère à soupe de thym. 60 g de beurre. Sel, poivre. Préparation. Peler les pommes de terre et les couper en fines rondelles. Les laver et les essuyer. Peler et émincer les oignons et l'ail. Préchauffer le four, thermostat 7, 210 degrés. Beurrer un plat à four. Étaler une couche de pommes de terre, salées, poivrées, saupoudrées de thym, couvrir d'oignons et d'ail. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients en intégrant la feuille de laurier dans les couches de légumes. À l'aide d'un couteau pointu, faites des croisillons sur le côté peau de la viande et la posez sur les pommes de terre, côté peau, au-dessus. Salez, poivrez. Préparez 1 demi-litre de bouillon avec de l'eau chaude et la tablette. Le versez sur les pommes de terre. Disposez le beurre en noisette sur les pommes de terre. Enfournez pour 45 minutes. Tirez régulièrement la grille du four pour arroser les pommes de terre avec le bouillon du plat. À mi-cuisson, couvrez d'une feuille de papier d'aluminium. Laissez reposer la viande 10 minutes hors du four, couverte d'une double feuille d'aluminium avant de servir.